Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky et Kiki. Et on se retrouve pour une première vidéo donc, de gameplay sur Game Dev Tycoon, donc, qui est un jeu où on... un simulateur d'entreprise de jeux vidéo, donc où on doit créer des jeux vidéo, les vendre et essayer de gagner le max de pognon pour monter dans les échelons et devenir une boîte de plus en plus riche et puissante. C'est ça, Luc. Alors, on va devoir créer nos propres jeux vidéo pour ensuite avoir des meilleurs locaux. C'est ça, un peu le but, de base. On va commencer maintenant. Donc, bien sûr. On va choisir le nom. Donc le nom, on va l'appeler LK Corp. Oui, bah oui. Hein. On reste dans la simplicité. Hein. Et on vous l'a pas dit, mais pour les textes, hein, on va mieux le préciser, si vous voulez les lire en entier, nous on les a passés quelques fois parce que... Parce qu'on a déjà joué le jeu, on l'a déjà fini, donc je vais mettre mon nom. On va sûrement... Les passer à chaque fois, donc il vaudrait mieux que vous mettiez sur pause. Voilà. Donc voilà, bon, je vais changer un peu la coiffure. Hop, on va mettre celle-ci. Ouais. On va se mettre une petite chemise. Elle est pas belle, mais bon, vas-y quand même. On s'en fout, on est pas pour la chemise. Elle est pas belle ma chemise. Non, elle est pas belle. D'accord. Bon, bah, puisqu'elle est. Voilà, celle-là. Voilà, ça c'est bien. Un petit polo. À manches longues. Hop, donc vu qu'on a déjà joué, oui, on va avoir. Les astuces qu'on a gagnées dans la précédente partie. C'est ça. Donc, à l'utiliser. Donc voilà, on commence dans notre garage, hein, à développer sur notre vieux moniteur. Hein. Et donc on va commencer donc, par présenter l'interface. Ouais, ça serait peut-être bien. Donc là en haut, c'est là où sera indiqué l'avancement du projet et le projet en cours. Hein. C'est ça, avec les jeux qu'on développera. C'est ça. Donc les points de recherche, ce qui nous servira à débloquer d'autres compétences. D'autres compétences et innovations même dans le jeu vidéo. Ouais. La technologie et le design qui sera... important les, pour les points, en gros les points de notre jeu, les notations du jeu, ouais. Et les bugs, donc là on peut voir M le mois, A l'année et S la semaine, ouais. La semaine pendant le jeu, et aussi les fans bien sûr. Et oui, on peut voir les fans et notre argent. Donc on avait commencé avec 70 000 euros, ouais, donc, mais ça baisse déjà, vite, hein. On est déjà qu'à, ouais. Vu qu'on est qu'au troisième mois là, pour l'instant on perd 8 000 euros par mois, donc ça baisse vite. On va commencer direct un nouveau jeu, donc c'est simple, il suffit de cliquer à un endroit et on développe le jeu. Donc on a différents thèmes générés aléatoirement à chaque fois. Donc vu qu'on a déjà fait, on peut voir que le fantastique, bah, ça marche très bien. Donc yeah. Bah, tiens, on va l'utiliser. Comme oui, bah oui, on pas. Pourquoi pas. Avec, hein. On peut voir que ça marche très bien, et fantastique et RPG, c'est une très bonne combinaison. Donc on va choisir la plateforme. Donc on peut voir aussi que les parts du marché des plateformes, donc on peut voir que la Commodore... est mieux notée et a plus de parts que le PC. Plus que le PC, hein, donc on va le mettre sur Commodore, on va l'appeler comment ? Final. Petite référence à Final Fantasy, on va l'appeler Final. Final Fan. Allez hop, vas-y. On va voter ça. Hein. On va passer 50 donc, ans sur on un. On va mettre en mode texte pour l'instant, parce que un RPG en mode texte ça suffit, hein, pour l'instant. Pour le moment. Alors plus tard on pourra débloquer de nouveaux graphismes, donc du 2DV2, comme là on est en version 1, hein, ou même du 3D. Oui, mais pour ça sera vraiment un peu plus tard. Hein. Parce que là, pour le moment, on est surtout vers du 2D et même du texte. Ouais, donc là, pour les trucs comme justement, ça. Justement, on va se mettre en texte, hein, pour un RPG. Donc là, on peut voir que les points de design et de technologie sont attribués à notre jeu. Et plus on en a, et mieux c'est. Ouais. Donc on peut voir que les petits plus, vous ne les aurez pas si vous venez de commencer le jeu. Les petits plus et les petits moins, c'est nous qui les avons débloqués, en fait, dans les parties précédentes. Là, on voit... Grâce à des rapports que l'on effectue sur les jeux. On va leur montrer après. Ouais, de toute façon, on est obligé de le faire. On va leur montrer après. Donc là, on peut voir que les quêtes pour les RPG, c'est très important. Hein. Le gameplay aussi, quand même. Donc on va monter les quêtes à fond. Et le moteur, bah, là, ils nous disent que c'est pas très important. Du coup, on en a pas mis. Donc notre jeu est en phase de création. Donc, il y a trois étapes, non ? C'est oui, ça, trois étapes pour la création. Trois étapes, c'est cela. Donc on va monter les dialogues qui sont très importants aussi pour les RPG. Le un petit peu plus de design, aussi. Ouais. L'intelligence artificielle n'est pas excessivement importante. Hein, non, artificielle. Pas tellement. Mais bon, après, il faut l'augmenter quand même. Parce qu'après, ça dépend des jeux. C'est ça vrai. Dépend des genres et des thèmes. Je comprends après. Pour, tout ça varie. Hop. Il faut bien sûr les monter ou les descendre donc en là, conséquence. Dans cette fenêtre, plus tard, quand on pourra créer des moteurs de jeu, et en fonction des moteurs de jeu qu'on créera, plus tard, cette fenêtre se remplira et on pourra améliorer donc, par de nouvelles fonctionnalités notre jeu. On va vous montrer tout cela après, de toute façon. Ouais, on espère arriver, bien sûr, le plus tôt possible au million. Au million, qui nous permet donc, au bout d'un million, de changer de locaux. Mmh. Enfin, de local. C'est mieux. Pardon. Donc voilà, il a corrigé les bugs en attendant un peu. Et on termine le jeu. Donc
voilà, notre argent est déjà à zéro, donc espérons que le jeu marche bien. Car il faut savoir, de gagner de, au début, de notre argent est de 70 000 donc, mais le but aussi n'est pas de faire faillite, parce qu'on fait faillite à partir de 50 000 au départ. Ouais, 50 000 en dessous, 50 000 en dessous de zéro. Donc le but là quand même, ça serait que notre jeu ait une bonne notation, 7. Ouais, c'est bon 7 pour un premier jeu. Ça commence jeu. Bien. Aux alentours de 6, on aura une note. Hein. Normalement, ah, ouais. Du 8, du 8 quand même. Fait 7 de moyenne pour le moment. Ah, 6,5. 6,5. 6,75 presque. Donc voilà, donc on a eu plutôt des bonnes notes. Et donc là, ils nous disent que voilà, on a créé notre premier jeu, patati patata. Donc on espère qu'il se vendra bien. Donc on va faire un rapport sur le jeu qui nous permettra de, bah, pour plus tard de gagner les petits plus justement et les petits moins que vous avez vu. Hein. Donc on fait un rapport. Donc dès sa première sortie, 5000 exemplaires, bah c'est pas mal, c'est un début, hein, c'est un début. Bah c'est même pas mal du tout parce qu'on est classé combien là, 35e c'est ça? Oui. Je crois qu'il a dit, ouais, ouais. 35e. Donc c'est vraiment pas mal dès le départ comme ça. Oui. Je me souviens que notre première partie c'était pas du tout ça. Non. Il y a, faut savoir que même là on a eu les petites astuces, mais au tout départ je pense pas que vous aurez des voilà, très bonnes notations. On a déjà vendu 10 exemplaires, 10 000 exemplaires. C'est déjà pas mal. Enfin, c'est même pas... Voilà, le rapport, ils nous disent ce qui semble être important ou pas pour notre jeu. Hein. Donc là, on peut voir que le son n'est pas très important pour ce type de jeu, quoique quand même un peu. Hein. Oui, bah, quand même. Et que la correspondance RPG et genre, enfin, plateforme et genre, donc RPG et G64, G64 référence à la Commodore. Hein. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la Gomodore. De toute façon, c'est ça, ça sera ça pour toutes les consoles après. Ouais. Donc, sont bonnes. Donc, voilà. Donc... On va vous montrer, on a un historique des jeux qui permettra de voir les meilleurs, les jeux qui ont le mieux marché pour faire plus tard des suites. Mm-hmm. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Et là, on peut faire des recherches, donc soit un nouveau thème, donc par exemple l'horreur, qui est un thème qui marche bien, mais peut-être pour, faire l'avion. Pour je tout pense. De suite, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, pour l'instant, on n'a pas besoin de nouveau thème. On va économiser pour faire un moteur de jeu personnalisé. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il faudra mieux débloquer l'avion, qui nous permettra de faire une simulation. Effectivement. Simulation de jeu d'avion, et ça, c'est généralement c'est. Donc ça là, se vend va, bien. On va tout de suite développer un nouveau jeu. Donc par exemple, on va faire une simulation de chasse. Ouais. Et sur, toujours sur la G64, ça marche ouais. bien. On va l'appeler Hunter. Allez hop. T'as oublié les G, attention. Allez, Hunter, allez, Hunter. Ouais, vas-y. Pour un jeu, de toute façon, c'est pas très important tout ça. Oui, au pire. Hein. Une simulation, bah c'est pareil, on peut la laisser. Sur, on peut la mettre au graphisme en 2D, je hein, pense, ouais. Oui. On va la mettre en graphisme 2D. On hein, peut, de toute façon, après. De toute façon, notre le final fan, voilà, il, a, ils nous disent, il s'est bien vendu de toute façon. Il déplace les ventes du PC, machin chose. 17 000 ouais, 17 000 ventes. Hein. 17 000 ventes, ouais, c'est bien. Le gameplay, c'est important pour une simulation. Un bon moteur pour simuler toutes les actions, c'est pareil, c'est important. Et l'histoire quête, ça l'est beaucoup moins. Donc, toujours notre jeu se créer avec nos points de recherche qui augmentent. Hop, design du niveau. Intelligence artificielle très important hein, dans une aussi, simulation oui. pour que ça ressemble à la réalité. Hein. Donc espérons qu'il fasse des meilleures ventes que le jeu précédent. Ah, quoique le jeu précédent il a déjà fait quand même pas mal de ventes. Hein. Ah ouais, on est déjà à 20 000. Enfin c'est pas mal du tout, hein. Enfin je veux dire pour un début. Hein. Bon, faut dire en même temps on a pas mal été aidé. On a eu des aides. Donc voilà, le second jeu est terminé, les bugs qui s'enlèvent. Ah voilà, donc le premier jeu s'est retiré du marché avec 21 000 ventes, donc c'est bien. Et 150 000 de recettes. Hein. C'est à vraiment savoir pas que mal. La recette n'équivaut pas au bénéfice, hein, si vous regardez. 150 000 de recettes, mais vu que le jeu a coûté bah, 50 000 à produire, nous n'avons qu'un bénéfice de 100 000. Oh, c'est qui quand est, même pas qui mal. C'est suffisant. Donc voilà, l'appareil, ils nous disent que Nivento, donc référence à Nintendo, oui, va sortir une nouvelle console de jeu grâce au succès de son jeu d'arcade, Dinky King. Donc pareil, référence à Donkey Kong. Ouais, je crois donc qu'on l'avait pas vu. Ça sera comme ça durant tout le long du jeu, hein, des ouais. références comme ça avec des noms modifiés, hein, jusqu'à la PlayStation 5 et la Xbox Next, qui sont des consoles qui ne sont pas encore sorties. Donc ouais. Ils se sont donné un petit loisir de créer des consoles. Qui opinion mais qui ressemble vachement à la PS3 non enfin, la, PS3. Ah oui, la PlayStation 5 enfin la Play System comme ils oui, l'appellent dans le ce système. Jeu ressemble beaucoup à la PlayStation 3 donc voilà en même temps ils n'allaient pas créer une je sais mais bon après fallait que ça reste dans le Sony hein. Donc là on a un nouveau record donc c'est un bon point pour notre jeu déjà c'est
son technologie, c'est bien. Voilà les Alors. Premières critiques. Ah. Ah. Ah, 8. Il a l'air d'être bien noté. Peut-être. Attends, ça dépend des trucs après. 8. Un autre 8. Pour le moment, 8. Ce serait bien 7. D'avoir un petit 10. Hein. 7,75 pour le moment. Ça va être un 7. 7,5. Bon, c'est déjà bien. C'est mieux que celui d'avant. Donc, toujours, on fait le rapport sur le jeu. Allez, hop. Pour savoir ce qui va et ce qui va pas. Pour avoir peut-être hein, au prochain jeu un 10. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Donc les graphismes semblent être très importants pour ce type de jeu. Ils ne disent pas grand chose là. Mis à part des trucs qu'on sait déjà bien sûr. Bon, le jeu se vend bien, on peut voir qu'il s'est déjà vendu quasiment plus que notre ancien jeu. Hein. Ah, Nintendo sort la TES. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence, la NES. Hein. Ouais. Bon, je pense que tout le monde a compris. Très belle référence d'ailleurs, hein. TES, Nivento. C'est très bien tout ça. Voilà, notre nouveau jeu a dépassé les ventes de l'ancien. Ah, attends, là c'est notre troisième jeu donc, ça Là on va développer notre troisième voilà. jeu. Voilà, et donc, comment le, tu sais, enfin ça passe déjà vite pour montrer à quel point le temps dans ce jeu passe très vite. On est déjà presque à la deuxième année. Ouais. Donc, c'est que. Donjon Aventure, je pense que c'est bien. On va l'appeler. Soyons original. Donjon. Appelons-le Donjon. Quelle originalité. Alors, la plateforme, toujours la G64, ouais, qui a une bonne part du marché. Ah, hein. Ça dépend après, regarde. S'il y a... C'est quoi nous Aventure. Aventure, c'est. Ouais, bon, ouais, ça va, oui. Très bonne part du marché, la G64. Donjon Aventure, bon, on va mettre graphisme 2D. On peut se le permettre maintenant, de toute façon. Faire un petit Zelda après. Hop. On peut toujours rêver. De toute façon, dans ce jeu, on peut quasiment créer tous les types de jeux. Ouais, parce qu'il y a un panel de. On ne joue pas au jeu de toute façon. Ouais, non, on ne touche pas de toute façon. On le crée juste, mais on y jouera jamais. Donc voilà, intelligence artificielle très peu important à ce qu'ils nous disent. Donc. Hop. Non, ça va avec l'histoire et les quêtes, donc les dialogues, on les met au max. Donc notre deuxième jeu, G-Hunter, ne sera bientôt plus en vente. Oh, il a fait pas mal de ventes quand même. Enfin, ah, faut pas s'en plaindre. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de technologie, notre jeu actuel. G-Hunter s'est vendu à 25 000 exemplaires, ce qui est beaucoup plus que le premier. Enfin, beaucoup, non, mais suffisamment. Un peu plus. Quand même, oui. Finalisation alors, peut-être un nouveau record. Ouais non, non pas pour le moment. Mais bon, ah, faudra peut-être penser à faire un moteur de recherche après, regarde. Oui. Ça. Donc voilà, on publie notre nouveau jeu, on a suffisamment de recherche pour créer notre propre moteur de jeu. On va voir les critiques, qui ont l'air plutôt bonnes. Ouais. À 8 encore. Je sais pas ce qu'on a avec les 8, mais pour le moment ça passe plutôt bien. 7,5 pour le moment. 7,75. 7,5. Ok, bon. On reste sur une lignée. On correct, fait 7,5. Pour le moment, ça va. Hein. Donc, on va faire un rapport sur le jeu. Toujours. Il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, là, il nous propose des travaux sous contrat. Donc qui nous permettent, je vais vous le montrer après, de gagner de l'argent avant tout, mais qui nous permet aussi d'améliorer nos points de recherche. Ce qui est important pour la suite après. Voilà, le travail sous contrat, je vais vous en montrer un. Donc, un pas ouais, celui-là. Ouais. Celui-là, on a 4 semaines pour trouver 9 points de design et 4 points de technologie. On gagnera 12 000 si on le réussit, et si on le rate, on perdra 2000 euros. Donc ça permet... Ah, Nivento a sorti sa TES. C'est très bien. Une nouvelle plateforme de jeu pour. Donc voilà, la recherche continue. Hop, on a réussi le projet. Et hop, on a eu le virement. Donc voilà. On va vous montrer un peu la recherche. Donc, on peut créer notre moteur de jeu personnalisé. Ou on peut chercher un nouveau thème. Hein, donc ça, je vous l'ai déjà montré. Et il y a un grand nombre de thèmes. Donc dans les parties précédentes, ouais. on avait
débloqué un peu moins de la moitié de tous les thèmes. Hein. Oui. Donc, on a Après, de toute vraiment façon, un grand on peut nombre. en réutiliser. On en a sûrement réutilisé Oui. plein aussi, c'est pour ça. Mais si on veut être original, après, on peut en recréer d'autres. Donc voilà, la recherche est terminée. Donc on a notre moteur de jeu. Bah, je pense qu'on va créer notre moteur de jeu et on va arrêter la vidéo à ce point-là. Hein. Donc on va mettre des graphismes de DV2 pour Ouais. la deuxième version. Hein. Parce que là, on peut tout mettre de toute Une façon. histoire linéaire et une sauvegarde. Bah ouais, une Oui. sauvegarde c'est important. Donc, on va l'appeler Unreal, référence à l'Unreal Engine, qui est le moteur de jeu réel. C'est ça. Ouais, c'est pareil, bien vendu, à peu près pareil que le deuxième jeu, le second jeu. Donc voilà, là il crée notre moteur de jeu. La recherche augmente un peu, hein, sans plus non plus. Non, pour le moment, il n'y a pas trop Et de... donc ce moteur de jeu nous permettra de créer nos propres jeux et plus tard de passer déjà en 3D, d'améliorer avec diverses innovations comme du son stéréo, enfin. Aussi, oui, de la 3D V3 Ouais. aussi, qu'on peut. C'est de la... Donc voilà. Donc on vous a montré à peu près le début. Donc après pourquoi pas faire un let's play dessus. Moi je pense j'en ferai un. Donc Ouais, sur... Enfin, moi, peut-être moins, mais bon, peut-être sur autre chose, moi. voilà, donc on vous a montré le début du jeu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. C'est ces deux développeurs qui ont voulu se lancer dans l'industrie du jeu vidéo qui l'ont créé. C'est Donc sûr. ça permettrait de les soutenir. Et en plus, c'est un très bon jeu. Bon Donc bah. bah, on va vous dire au revoir et Ouais. salut à tous. Salut.